T'as... Ah, t'as entendu 6 accords. Secondes, excusez-moi, 2 minutes de gestion de la chaîne, je réfléchis à un truc. J'y suis presque, je reviens vers vous, bougez pas. La joie de gérer une communauté formidable. C'est figé. Bon. Manette. Ah oui, il y a un festival. Il y a un festival dès le matin. Festival dès le matin. Oui, je sais pas si je dois me tuer à. Ah, ben, attendez. C'est vrai que c'est un son de fou que j'ai dans ma bibliothèque de composer de la ZIC, c'est n'importe quoi. Mon arrosoir. Ah oui, il y a des notes secrètes aussi. Oh là là. Si, il faut que j'arrose la gamelle du chien, même en hiver. La neige ne suffit pas pour le... Merde, il est où mon arrosoir ? Bah merde alors. Bah ! J'ai encore du caca dans les yeux ou j'ai perdu mon arrosoir ? Je l'ai pas mis à optimiser chez le... Enfin, je crois pas. La mission de Samantha est de retrouver son arrosoir.
Ah, je l'ai mis là. Oh, Malia. Ah, il y a l'améthyste à offrir à Emily de la part de, du forgeron, je m'en souviens, ça. Ah, ce serait pas mal de faire une... Ouais, de faire un coffre à houblon. C'est ici. Vraiment. Rien que pour le houblon, il faut que je fasse ça. Donc, je mets la limite là. Voilà. Je mettrai plein de tonneaux quand je pourrais pour le houblon. Histoire d'en faire plein de thunes, ça rapporte. La moumousse. Quoi, je mets le truc en orange. Ouais, j'ai pas de coffre en orange. Orange, voilà, houblon, moumousse. Bon, bref. Oui, alors, la gamelle du chien. Oui, t'es un bon toutou. Ah! Mais non, mais... Laisse-moi passer, abruti! Mais il m'a bloqué! Ah, il m'a fait peur. Non, mais elle fait flipper, la citrouille. Je me demande si c'est pas un bug. Je crois que c'est un bug. Parce que je peux plus interagir avec la citrouille. Elle a pourri, c'est devenu un truc fantomatique, là. Ah, la citrouille Halloween. Ah, sirop d'érable. Yeah. Ah, le ranch de Marnie. Le festival de glace, c'est chez Marnie. Va falloir que je relise ma carte du village. Que je retrouve le chemin. Marnie. Alors, champignon rouge de la muerte. Alors, le houblon, je le range. Ça va être ma caisse à houblon. Je vais aller chez Marnie. Oh la vache, ça me tient chaud, le... La coiffe sanglier. Merde, homme. Oh, je garde l'améthyste sur moi. Faut que je croise Emily, mais... Je pense toujours à la chanson paillarde de l'académicien Jean Dutour. La petite Émilie m'avait bien promis un poêle de taupe pour faire un tapis. Mais les poils sont tombés. Le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Jean Dutour, s'il vous plaît. Académicien. Oh, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Tata. Oui, je t'en prie, Bastos. Non, mais c'est moi qui suis idiot. J'ai fait le boulot à moitié. Je participe au concours de pêche sur glace aujourd'hui. Après tout, pourquoi pas. Mais oui. Ah oui, la pêche. Mais oh. Oui, la glace, c'est quelque chose de superbe à sculpter, mais tellement éphémère. Ouais, j'aime bien les sculptures sur glace. Alors, au Japon, au nord du Japon, l'île du Nord, Hokkaido. Vous allez à la ville principale qui est Sapporo. Tous les ans, tous les hivers, vous avez un festival de glace comme ça. Sculpture sur glace, et il y a des trucs énormes. Je suis désolé, mais de faire des parapets sur la glace nécessite mon attention. Vas-y, ma grande. Jody, la forêt est magnifique en hiver, n'est-ce pas? Comment se passe cette saison hivernale pour toi, Samantha? Dit Caroline, toute joyeuse. Ah, ah. Oh, les retraités, George. Ma femme m'a traîné dans le froid pour chat. Oh, le froid, ça conserve. Bonjour, Evelyne. Alors, est-ce que je t'ai déjà raconté comment Georges et moi nous sommes rencontrés? Eh bien, il m'a lancé une boule de neige pendant ce festival. Non. Non. C'est pas vrai. C'est trop mimi. Shane. Où est-ce qu'il crèche, Shane? J'ai pas souvenir d'avoir localisé où il crèche, lui. Si ça n'était qu'à moi, j'aurais probablement fait un festival de pizza au saloon à la place. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Oh, le vendeur. J'ai pas de thunes. Oula, puis c'est hors de prix.
Rêve gelé. Tu parles d'un tableau. Oh, table de salle à manger d'hiver. Je l'achèterai l'année prochaine. Là, j'aurai plus de fric. Applique murale. Table de salon d'hiver. Sauce au Canberge. Ah, farce. Odeur du pain chaud de la chose. Soupe à la citrouille. Oh, faudrait que j'apprenne à faire de la soupe à la citrouille, moi. Un jour viens là. Alors, samedi, salut Samantha. Est-ce que tu participes à la compétition de pêche sur glace? Moi, bien sûr que oui. Sébastien. Froid, moi, jamais. Ah, ah. Et derrière, Achoum. Oh, Vincent, il est tout joyeux. J'ai vu un gros poisson là-bas. Attends, je parlerai au maire après. Alors que généralement, c'est l'inverse. On s'adresse d'abord au maire. Cette neige est si froide que je ne sens plus mes doigts. Abigail, que penses-tu de mon bonhomme de main? Ah oui, avec la branche, oui, c'est pas mal. Ah, la blonde Barbie. En hiver, avec un décolleté comme ça, je crois pas. Ce jeu est mensonger. La connaissant, elle aura un manteau de fourrure bien... Je suppose que l'hiver n'est pas si mal. Jouer dans la neige peut être amusant. Alex dit, c'est pas mal de faire des bonhommes de neige, cependant j'attends le printemps avec impatience. Ah ouais. Ah, alors Pam a dit quoi? J'ai l'intention de gagner le concours de pêche sur glace. Oh, alors je demande à voir. Le forgeron Clint, oula, il fait des yeux de fou. Emily m'a aidé sans me provoquer une seule fois. Ça veut dire quelque chose d'égouti. Oh, le hôtel. Alors Emily a dit quoi? Ouah, ce bonhomme de neige a besoin d'un relooking express. Qui a fait celui-là? Bon, lui, Mimi, bonhomme de neige. Bon, les enfants, là, c'est... Oups. Je vais lui mettre une carotte en guise de nez, dit Jazz. Quel genre de bonhomme de neige devons-nous faire? Genre classique, nez de carotte. Chapeau de forme échappe, quelque chose d'un peu drôle. Des antennes en stalactite. Et yeux en pomme de pin. Les bonhommes de neige sont ennuyeux, il faut faire preuve d'originalité. Soyons ambitieux. D'accord, je pense que je vais m'en tenir à quelque chose de plus conventionnel. Bon. Y'a rien dans l'igloo. On peut pas se barrer, je présume. Ah, attendez. Ah non, on peut pas. Ange de lumière, je pose mon leurre pour regarder mon film. Oui, bon film à toi, merci, c'est gentil. Bon film à toi. Ah oui, non. Oh, attends, c'est pas les mêmes buissons, normalement. Bizarre. Bon, évidemment, c'est fermé. Bah oui. Il n'y a pas d'interaction. Donc, comment ils ont fait pour le poser? Ah, il y a encore du monde. Oh la vache. Attends, comment ils ont bloqué l'extrémité du truc? Ah ouais, c'est large. Oh Linus, qu'est-ce qu'il fout là? Construire un igloo est un art que j'ai appris parmi les habitants de la toundra qui vivent au-delà de la mer gelée. Ah ouais. C'était il y a bien longtemps. Oh la vache, il a du vécu le mec. Un igloo est une belle maison, mais c'est plus facile de rester dans ma tente toute l'année. Ok, d'accord. Ah, j'apprends un truc. Il a un sacré passif, Linus. On dirait pas comme ça. Message de fin fan 1992. Est-ce que c'est lui le capitaine igloo? Ce serait pas mal. Ah, pas mal. J'aime bien la supposition. Il y a de l'idée. Non, j'étais vache, j'étais en train de me dire, c'est là où on va apprendre plus tard que Linus a une fausse identité. C'est Nicolas Hulot, mais plus tard dans le futur à la retraite. Qui vit en ermite super écolo. Mais non, je valide ton Captain Igloo, oui. Ah, intéressant. Alors, Marnie.
J'ai de la peine pour les pauvres animaux qui restent dehors dans le froid. Oh là là. Ouais, bon, la nature est, hein, est cruelle, mais elle est bien faite. Les températures extrêmes peuvent causer beaucoup de stress à ton corps, alors assure-toi de bien te couvrir. Ouais. Ah, le bon custo. Désolé, il n'y a rien à manger. Et puis, regarde le feu éteint, j'adore. Oh, il profite bien du festival. Le pêcheur. Salut Samantha, tu participes au concours de pêche sur glace? Ouais, je fais de mon mieux, ouais. C'est une bonne mentalité. Alors, Démétrius, le scientifique. Tu sais quoi? J'aurais probablement dû mettre une veste. Eh ben, bien fait pour ta gueule. Ah, ils ont bloqué avec un... Bon, allez, je vais aller saluer le maire. Je crois que j'ai oublié personne. J'ai oublié personne dans le patelin. Bienvenue au Festival des Glaces. Le concours de pêche sur glace est le plus du festival. Nous avons aménagé ce lac gelé et l'avons rempli de poissons. Faites-moi savoir quand vous serez prêt à participer à la compétition. Eh ben oui, je vais participer au concours maintenant. Allez, c'est parti. Soyons fous. Bien, il est temps de commencer le concours de pêche sur glace de cette année. À tous les concurrents, votre objectif est d'attraper le plus de poissons possible en 2 minutes à l'aide des cannes à pêche fournies. Vous devez attraper vos poissons dans les trous faits dans la glace juste ici. Tout le monde est prêt? C'est parti! Eh oh, ils étaient devant leur trou, pas moi. Oh merde. Ah oui, il faut faire un petit lancer du coup. Wow. Ah oui, c'est clac-clac, en fait. Faut pas chercher. Merde. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. Ah. Oh non, mais c'est pas un poisson, ça. Mais non, mais je vais perdre. C'est dégueulasse. Ah. Ah bien. Eh, ils en ont déjà 2 aussi chacun là, je crois. Ça craint. En fait, je crois que le concours tu le gagnes quand t'as 10 d'expérience en pêche. Que ça m'étonnerait pas. Non mais le jeu qui ne me respecte pas. Ouh. 30 secondes. J'y crois pas. C'est pas en 3 secondes que j'ai chopé un poiscaille. Voilà. J'y crois pas. À mon avis, ils m'ont battu largement. Waouh, ça fait beaucoup de poissons. Burp. Oh le cœur, cette odeur. Message de Torota 77. Et à ce moment-là, le sage pêche une boîte de bâtonnets de poissons surgelés pêchés lul. Mais tu fais référence à ma mésaventure dans Raft. Mais c'était con. Et oui, tu m'étonnes. Et maintenant, voici le gagnant du concours de pêche sur glace de cette année. Oh bah c'est Willy. C'est le pêcheur qui gagne. Et bah voilà, je le savais. Willy avec 5 gros poissons frais. Bah ouais, bah, c'est un pêcheur vétéran lui. Voici votre prix, oui, félicitations.
Mais franchement, si on retrouve les... Normalement, on doit retrouver les mêmes festivals chaque année. Donc, le coup du présentoir, si j'ai des trucs qualité platine, là, avec l'étoile mauve qui clignote, j'en mets 9 comme ça, je suis obligé de gagner. Obligé. On verra au cours de l'année. Bon, eh bien, le festival des glaces de cette année touche à sa fin. Merci à tous d'être venus. Relâchons maintenant ces pauvres poissons. C'est rigolo. Je n'ai pas gagné le concours, mais c'était quand même très bien bizarre. Il est temps de rentrer à la maison. Attends, c'était le matin. Oh, 22h. Oh. Pour lui, ça a bouffé toute la journée. Bon, bref. Ouais, quoi. Il va neiger. Bon, bah, c'est bien. Vivre à la ferme. Ah, vous avez trouvé des graines d'arbres tout en coupant du bois. Vous pouvez les planter dans le sol et un nouvel arbre poussera. Faites preuve de créativité. Ouais, bon. J'aurais préféré une recette de cuisine, moi. Merde. La soupe à la citrouille. Soupe aux petits ronds. Ça donnait un max d'énergie. Elle a pas l'air débile. Le matin, elle se lève. Oh, j'ai une souche dans les bras. Ouais. Je me muscle. Je fais des haltères. Aïe. Moi. Alors attends, je vais faire la gamelle du chien. Je vais faire la gamelle, voilà, du chien. Je vais aller chercher les champignons, puis on va aller à la mine. Ah, très bien. Mon champignon mignon favori. Par contre, je pense pas prendre l'améthyste parce que je vais pas croiser Émilie. Je vais la mettre à part, ouais. Ça va être dans le coffre pour les mousses, là, à faire brasseur. Et les objets à donner au village, là, parce que... Sinon, je vais pas m'en sortir. Je vais peut-être même mettre mon arrosoir aussi, allez hop. Et si je mets que du houblon, je vais pas rentabiliser le coffre, ça serait dommage. Ce serait dommage. Allez, c'est parti. Je fonce à la mine. Allons à la mine. Je sais plus qui c'est qui me disait, mais il n'y a pas de gare et de train à Stardew Valley. Mais si. Mais enfin, mince, là, je passe pas par le. Oh, une main squelettique. Oh, j'ai trouvé un bouquin. Ça file à la bibliothèque. Faudra que je lise les bouquins de la bibliothèque, j'ai pas encore pris le... Regardez rapidement, je vais vous montrer la gare. Vous montez tout au sommet du village et regardez, ça c'est le train-train. Et à côté il y a un sauna. Et voilà quoi. On verra plus en détail plus tard, mais attention, je gère bien mon temps de la journée, je vais foncer. Ah merde, je pense jamais à donner un truc à Linus. Je pourrais lui donner un plat, quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose à manger. Niveau 60. Ah, avec un bassin en plus, je pourrais pêcher. C'est effrayant. Alors, bref. Oh, oh, cool. Attendez. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Du minerai de fer. Oh, je sens que les notes secrètes vont polluer mon... Pardon, hein. Mais vont polluer mon inventaire, vite fait, bien fait. Il y en aurait rarement, j'apprécierais, mais là, elles vont toutes arriver en même temps. Je vais ressortir de la mine avec 10 notes secrètes, là. Je le sens. Bon, bah, s'il n'y a rien d'intéressant, hop, je valide le niveau suivant. Oh, la sale bête!
sale bête. Va mourir la sale bête. Ah! Il n'est pas vu. Patata, j'en règle. On veut du caillou. Ah, je les brise tellement bien qu'ils donnent rien, les vilains. Je les ai réduits en poudre, les les rochers. Ouais, un truc en plus en amont, non? Oh! Géode gelé et un vilain gélatineux. Ah, chauve-souris. Monsieur le mort, qui t'a ceci. Oh, une bombe! C'est énorme. Je vais pouvoir faire mon petit corse. Je vais pouvoir faire mon petit corse. Ça parle mal. Et ben voilà. Moi je dis du bon usage d'une bombe. Au bon milieu de plein de cailloux. Encore que je sais pas si... Allez, bien visé là. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Encore une note secrète. Évidemment, j'ai attiré du monde avec un tel vacarme. Attention. Merde. Oh, la sale bête. Oh joli! Comment que je l'ai pas tâté? J'entends la chauve-souris! Où est-elle? Elle est où la vilaine? Elle est où? Elle est là! Oh, magnifique. Ah, niveau 65. Validé. Ouais. Oh, magnifique. Wow, je descends une vitesse. Ça fait peur. Allez, venez tous m'affronter. Tous en même temps, je vous explose. J'ai une tornade de coups de maillet. Ouais. Ouh la vache, lui comment tu m'as sauté dessus. Oula, y'en a du monde. Et ça bastonne. Magnifique. Attends, voyageons. Terminé. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce barrage? C'est ébouli. Ouais, cochine et fille, c'est ébouli. Ah, intéressant ça. Une veine de fer. Alors attends, je prends la veine de fer, je me barre. Ah bah il y en a une autre là-bas. Je peux pas refuser. Un fantôme.
Alors, santé, énergie, il va falloir que je gère. Je vais manger un champignon. Un champignon meilleur. Ouais, allez hop. Je peux en faire plusieurs à la suite. Ah, je pourrais atteindre déjà le niveau 70 si je fais pas l'IO assez rapidement. Et ben voilà. Bingo. Merde, mais non. Je voulais prendre le truc, pas le pataté. Oula, oula, où il y a du monde là. Oh, il y a du matos. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Cache, 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 délire. Bon, allez, je vais forcément atteindre le niveau 70 en pétant tous les cailloux là. Mais oui, c'est merveilleux. Oh! Ah merde, j'ai plus de place. Lance-pierre de maître. Oui, bah le slime, je le... Voilà. Lance-pierre de maître, ça peut être sympa. Et je présume que voilà, si je fais ça, comment ça marche? Ah. Comment ça, cours de mission? Je lance pas les pierres que j'ai ramassées? Bah, comment tu fais tes... Attends. Dans l'artisanat, il faut faire ses propres munitions? Bizarre. De toute façon, je me vois pas tirer au lance-pierre. Alors... Ah, les confitures sont prêtes. Les bières sont prêtes. À moi la tunasse. C'est ça qui est mort. Alors, tac, 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 tac. Non, ça c'est mal rangé. Ça, essence, c'est un butin de... C'est un butin de... Quick, quick, quick. Main squelettique. Oui, bah, le lance-pierre, je vais le laisser là parce que... Parce que prout. Alors, attendez. Aile de chauve-souris, machin. Oui, ça, ça peut être pratique, je le range là. Oh, les notes, ça me bouffe. Ça prend de la place, mais bon. Oh, bien le... Je vais faire du quartz raffiné à gogo, c'est très très bien. C'est très très bien. Attendez. Alors, les notes, je les mets là. Je les utiliserai un autre jour. Hein. Voilà, le chien fait dodo, il se porte à merveille, tant mieux pour lui. Il va falloir que je revienne avec un fruit à faire en confiture. Un fruit à faire en confiture. Attendez... ah, j'ai du... La vache, j'ai du piment fort de qualité. J'en ai 21 en or. Énorme.
C'est énorme. Je réfléchis. Bah tiens, villager. Alors attends, c'est quoi ma confiture de mur? Ah, j'ai déjà fait de la gelée de mur, non? Ah non! Ah! Alors attends, comment je fais pour en prendre un exemplaire? Je ne sais plus. Non. On va y arriver. Non plus. C'est pas la bonne touche. Cherche la touche pour faire un truc. Voilà, c'est le X. Ok. Comme ça, je me garde. On sait jamais. Si j'ai une quête spéciale, je veux de la gelée de machin. Au moins, j'aurai un pot. Ce sera déjà ça. Voilà. On est d'accord. Alors, où bon, mais j'ai toujours pas trouvé mon. J'ai toujours pas trouvé le fruit que j'allais faire en confiture. Oh, le raisin, c'est pour le vin. C'est pour le vin, le raisin. Ouais, bah les murs. Ouais. Je vais tout faire à la mûre. Je vais tout faire avec un mur. C'est surtout ça. Allez, je refais un coffre pour l'occasion. Coffre que je te mets là, parce que c'est le repère du chien. Les murs, ça va être en mauve. Voilà. Le coffre des murs. Ah bah merde, faut pas que je les range, je les ai pas utilisés. Mais quel abouti je fais. Comme d'habitude. Et voilà, c'est comme ça qu'on rentabilise une production agricole. Très très bien. Voilà, une journée bien remplie. Alors je crois que la télé m'avait déjà dit le conseil. Elle m'avait déjà tout dit. Journée suivante. On file à mercredi dans le calendrier du jeu. Ouais! Hey, attends, comment je fais les fûts pour la bière? Il faut vraiment que je mette l'accent là-dessus parce que ça va me rapporter. C'est ultra rentable de faire de la bière. Il n'y a que des alcoolos dans ce monde. Ça parle très mal. Tonneau. Alors. Ah oui, la résine de chêne de mes deux. La résine de chêne de mes deux. C'est ça qui me manque. Il faut que je fasse saigner sur tous les chênes. Attends, j'en ai pas à côté. Je sais plus si j'ai mis des trucs dans les coffres là, je crois pas. Hein. Non, j'ai rien mis. C'est pour plus tard la chambre, la pièce là. C'est en prévision. Ah, résine de chêne. Je n'ai pas la résine de chêne, j'ai la résine de pain. Eh oui, j'en ai plus. Merdoum. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le recycleur, tiens. J'y pensais même plus qu'il existait. Il faisait partie du décor, là. Autant que je fasse quelque chose de sensé. Ouais, bah vivement la prochaine saison. Parce que la thune, ça va y aller. Je vais vraiment devenir brasseur. Ah merde, j'ai oublié d'arroser ce chien. Oui. D'arroser la gamelle du chien. Ah, les gentils Toto. Les gentils Zeus. Allez-y. Hop, je vais mettre l'arrosoir là. C'est reparti pour la mine, écoutez. Je pourrais faire de l'entretien, couper du bois, mais... Je ferai peut-être l'entretien quand il arrêtera de neiger. C'est marrant, l'idée de... Je repense à Nayonel. C'est marrant qu'il ait envie de se promener le long de la rivière.
Un 31 décembre, pourquoi pas. Et surprenant par moment ce garçon. Il avait besoin de prendre l'air. Bon. Eh, je descends pas mal vite, je trouve. Ah. Ah. Oh, il lance des trucs. Oh la vache. C'était les vilains de... d'Halloween, là, qui étaient mis en cage. Exploser. Ah, j'avais plein de cailloux. Les cailloux, c'est pas perdu avec moi. Merde. Non. J'ai pas perdu avec moi tous les cailloux. Mmh. Ah ouais, il a essayé de me prendre l'air vert, mais... il a mal géré. Attends, il est passé sur le côté, lui. Il a essayé de me la faire à l'envers. Non, ils pètent le rocher, je crois. Ils en sont capables, mais je sais pas pourquoi ils le font pas, là. Alors, une fois que j'aurai atteint le fond de la mine, je referai au hasard des niveaux pour plaisir. Merde. Pardon. Plaisir. Ah ah ah! Avec l'accès à la suite, je vais me gêner. Ah, il m'a englué. Il m'a eu le gélatineux, il m'a eu. Ah ben, attends. Je refuse pas le duel. Attends, il y a du mettre. Oh merde, attends, le stack. Oula, je sais pas, il y a eu sa tête qui giclait. Ah, j'ai mis notre fer. Putain, le fer, ça va y aller, hein. Magette. Ça va y aller. Ah, hop. Donc je sais que j'ai déjà accès à la suite, mais s'il y a des trucs intéressants. Puis je refuse pas le combat, c'est rigolo. Ça fait, j'ai l'impression de jouer à un mini Diablo. Ça me fait l'effet là. C'est pas désagréable du tout. Ouais, non, je vais descendre par le... il n'y a plus rien de vraiment... attends, je mange un champignon, là, à la droite sur quinquet, la miss. Ah, je pourrais atteindre le niveau 80, moi, dans la journée. Normalement, je ne devrais pas revenir ici, donc je vais péter le... voilà. Encore une note.
intéressant. Ah bah. Il est un peu court le 75 comme sous-sol. Il est bizarre. Ah bah. Au revoir. Oh, sympa. Attends, faut que je m'occupe de l'ennemi avant du gros rocher parce que... Ah! J'ai gagné une note secrète. J'ai gagné le droit de manger un coup là parce que quand même la santé... Ouais. Allez. C'est bien. Allez, Chamanta! Patate, moi tout chat. Allez l'ami. Ah bah voilà. Allez hop. 78. Ouais bon là il y a un petit ennemi avec une géote gelée là. Enfin une larme gelée, pardon. Mais. Oh non ! Une grande vague d'ennemis qui arrive. Encore une note. C'était sûr. C'était sûr que j'allais remonter avec 10 notes de la mine. Ah, je suis lâche, je me barre. Non, parce que ma santé est un peu... Et un peu dans le rouge. Oh merde, j'ai failli lui claquer la bise au squelette. Oui, bien sûr, l'étreinte de la mort. J'aurais pas pu faire pire. Eh ben voilà. Ah. Oh. Les bottes marchent feu. Oh, ça veut dire que j'arrive dans la lave. On entend grouiller le magma à la lave. La vache. Ça promet. Attends, non, c'est comme ça que je dois faire, je crois. Non, pas compétence. Bah merde alors. Comment je fais? Ah, c'est comme ça. Ah bah oui, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur d'avoir les... Oh. Juste pour regarder. Oh, c'est intriguant. Ouais, inventaire plein, ouais. Oui, je présume que je pète ça, je peux pas le prendre. Ah, c'est dommage, c'est de l'or. C'est dommage, c'est de l'or. Ouais, on fera les autres niveaux une autre fois. Wouah, 114 pour le faire. Vous de Dieu. Ah ouais, c'est rentable la mine. Oh, c'est quoi? On dirait un linge. On dirait un linge. Ah, je vais me débarrasser des notes. C'est pas possible. Je vais les mettre dans mon coffre. Mon dieu. Bien joué, tu m'as foutu la fousse. Aïe aïe aïe. Canaillou. Alors attends. Quartz raffiné. Tissu. Oh. Ouais, bah je vais me mettre là en attendant.
Je réfléchis. Fragment d'os. J'ai le border. Merde, j'ai pas rangé le... les lentilles de slime là, de gélatineux. Les notes secrètes, on verra plus tard. Donc ça, ça carbure, c'est bien. J'ai pas un déchet sur moi, mais je vais reprendre un truc. Ah, du bois flotté. Il recycle. Ah oui, il recycle. Alors là, je me demande... il va me faire du bois classique, peut-être. Avec le bois flotté. Parce que je vois pas en recyclage qu'est-ce que ça peut donner. Bon, le chien avait eu sa flotte. Je crois que j'avais des champignons communs que j'avais pris dans la grotte, mais je vais vérifier à deux fois. J'avais oublié, j'ai bien fait d'y retourner. J'ai bien fait d'y retourner. Champignon à chapeau-louille. Le champignon à chapeau-louille. Ah, c'était sûr qu'ils allaient me faire du bois. Un bois pour un truc flotté. Ah, merde! Ah, la vilaine. Surtout que j'ai plus de santé. La vilaine! Oui, attends, il y a l'autre champignon que j'ai pas déposé. Alors la morue, toujours dans le frigo. Parce que je sais que j'ai des plats que je peux faire à base de morue. Et mon cerveau est en train de... ah oui, je voulais faire le recycleur, mais avec un autre truc. On y croit, on va y arriver. Ouais, j'en ai des trempés, par exemple. Hop là. Hop là. Arrête pas de faire des bruits de fou. Alors, les notes. Ah, j'ai eu un doublon. J'ai un 2 qui est apparu. La vache, il y en a combien des notes secrètes? Merde, je suis en train d'écraser mes écouteurs. Look, voilà que ça bouge plus. Non, je vais pas les jeter. Oui, je vais mettre les morilles dans le frigo. Et dans le délai, j'ai pas le temps de refaire un minerai. Ça carbure toujours. Ah non, ça carbure plus. Voilà, pour la nuit. Je vais rentabiliser la nuit alors qu'il y a une autre chauve-souris qui se pointe. Y'a pas ici, Minel. Ouais. Eh ben, ça me fait des restes d'ennemis à ranger. Autant la première avait donné aucun butin, autant celle-là, elle est généreuse en deux morceaux d'ailes. Ah, j'ai gagné des... Ah, trois torches. Ah, c'est pas idiot. C'est vrai qu'il faut que je fasse mes aménagements de... De chemin, que je pense à l'arrosage. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié l'arrosage. Je parlais des fûts pour devenir brasseur. Mais attends. Ah, lingot en or. Ah bah oui, de l'intérêt de descendre dans la mine, là où commence à y avoir de l'or. Parce que si j'arrive à me forger des lingots d'or, ça fera autant d'arroseurs de qualité. Joie. Non, j'ai oublié de regarder la téloche. Il y a peut-être une recette à la téloche. Quel rediff. Oh bah la baguette, je sais pas la faire la baguette. Bah j'ai oublié de regarder à l'époque. Eh ben. La fabrication du pain peut être une forme d'art très complexe, mais je vais vous simplifier la tâche. L'ingrédient le plus important est la farine. Mais avant de faire la pâte, nous devons activer notre levure.
Utilisez de l'eau chaude et un petit quelque chose pour entamer la fermentation. J'utilise du sucre, mais du miel ou du sirop d'érable feront l'affaire. Compétences culinaires, pain apprise. Ah, je peux déjà en faire en plus, c'est en clair. Farine de blé. Ça mérite d'être... Ah, c'est pour ça que la farine de blé coûte cher. Parce que le pain est facile à faire, ça donne 50 d'énergie, 22 de santé. Ah, intéressant. Qui veut tâter des miches? Qui? Allez, joue au dodo. Votre progression a été sauvegardée. Je vais tout de suite regarder la télé pour voir l'émission suivante. Vivre à la ferme. Il y a quelques poissons que l'on ne trouve qu'en hiver. Les calmars et les morulinges. Morulingues. Le calmar peut être attrapé dans la mer en soirée. Les morulinges peuvent être trouvés dans l'eau douce toute la journée. Bien sûr, il y a des rumeurs au sujet de poissons extrêmement rares et uniques que l'on ne peut trouver que durant certaines saisons. Mais je n'ai aucune info à ce sujet. Message de Torota 77 pour avoir un bon pain, dites à votre boulangère qu'elle a de belles miches. Eh oui. Et quand j'étais jeune, j'étais dégueulasse car je rajoutais à ce propos présentez ensuite votre baguette dans son fourneau. Salut Samantha, vous n'avez rien entendu. Salut Samantha, dit Émilie. Qu'est-ce qu'elle fait là, tiens? C'est la coloriste, c'est avec elle que j'aurai les coloris. Tu as l'air en pleine forme, la ferme est superbe. Donc, tu vis ici depuis un certain temps maintenant et je suis sûr que tu m'as déjà acheté du tissu, n'est-ce pas? Eh bien, sais-tu que tu peux utiliser des tissus pour confectionner toutes sortes de vêtements? Il suffit d'avoir accès à une machine à coudre. Eh, c'est le fait que j'ai eu en recyclage le tissu. Et j'en ai justement une à la maison, n'hésite pas à passer me voir pour t'en servir. Ah, c'est sympa. Ouais. J'étais transporté par la musique magique et le carillon m'a fait peur. Vous pouvez maintenant accéder à la machine à coudre d'Emily. Pour commencer à créer des vêtements, tu auras besoin... Fun, doucement, s'il te plaît. Pour commencer à créer des vêtements, tu auras besoin d'un morceau de tissu et d'un objet secondaire. Expérimente un peu et décide quel site tu aides le plus. Effectivement. C'est sympa. Ah là 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 là. Ah merde! C'est à elle que je pouvais donner le... Ah ben si qu'il donne. Si qu'il a donné. Attends. Non, je veux faire un tonneau, cuivre, fer. Attends, je vais faire un tonneau. Minute papillon. Cuivre, fer. Enfin, attends, je vais trop vite. J'aurais dû prendre un de chaque. Voilà. Bougez pas. Ah, j'ai un troisième tonneau. Non, certainement pas mon bois. Oui, la bière blonde. La bière blonde. Oh, c'est cool. Alors, un... Non, je me trompe de touche. De toute façon, il faut que j'arrose la gamelle du chien. Attends, tant que j'y pense, ouais, Emily, je vais aller la voir parce que... Encore que non, la quête, je suis pas obligé de la faire maintenant. Honnêtement, ça presse pas, je peux aller la voir au printemps. Je suis chié, mais... J'optimise mon temps. Je fais mon vilain. Voilà, tac, 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 allez hop. Ta 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 ta.
Ah, c'est encore en fermentation, les... Et j'en ai un deuxième. Ah oui. Magnifique, on va refaire un tonneau. Hein? Statue de poulet. Mais c'est quoi ce jeu? Statue de poulet. C'est du délire. Une statue des poulets. Alors, du coup, je fais le tour de mon exploitation, parce que je sais plus où est-ce que j'ai mis, voilà, des seigneurs sur le... Ah bah merde, alors. Alors, la statue de poulet, je vais la déposer dans... Voilà, dans les objets bizarres et je sais pas quoi. Attendez que je réfléchisse. Merde, j'ai pas géré la gamelle du chien. J'ai oublié de gérer la gamelle du chien. Oui, magnifique. Je sais plus où donner de la tête, tellement qu'il y a à faire. Attendez, la gamelle du chien, la gamelle du chien, la gamelle du chien, la gamelle du chien. Non, pas oser le chemin, non. Ah bah c'est déjà fait. Je sais plus, est-ce que je suis allé faire les champignons? On vérifie rapide et on fonce à la mine. J'ai pas fait les champignons. Le champignon mignon, tiradiradadada. Je dépose l'arrosoir ici. Je dépose les champignons là-bas au fond. Hop. Et je me barre. Oh, attends, je peux encore faire ça. À la mine. Allez, vas-y, cours Samantha. Tu peux le faire. Miaou. La mine. La mine. Alors là, je risque d'avoir de l'or si je suis dans les tréfonds avec de la lave. Ça semblait bouillonner de lave. Oh, le pauvre Linus, je l'oublie à chaque fois. Je lui offre un champignon. Oh, c'est un peu la misère, mais je sais qu'il aime bien. Tiens. Un cadeau formidable, merci. Faudrait que je lui fasse un plat que je lui offre. Il va adorer. Attends. Oh! Je libère un accès. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est qui lui? C'est qui ce mec? C'est un nain! Oh! J'avais trouvé les trois parchemins des nains! Pardon? Vius os is cela exaole otne nurinu pu admus utsund os. Ok, merci le nain, au revoir! Bon, un jour, faudra que j'apprenne la langue naine. Peut-être à la bibliothèque, hein. On ira voir bientôt. Incroyable, un nouveau personnage. Ah ouais. Là, ils sont vénères. C'est des super gélatineux. Oui, ils sont résistants, là, j'ai l'impression. Salopards. Ils sont très très résistants. Tous les trucs donnent de l'or ou pas, non? Visiblement, j'avais de la chance à ma première arrivée ici tout à l'heure. Enfin, la journée précédente dans le jeu. Parce que là, j'ai plus de trucs en or, mais... Enfin, j'ai trouvé une pépite, mais j'avais plus la géode.
Voilà, là j'en ai une. Sympa. Oh. Plus je récolte de l'or, plus j'aurai des arroseurs automatiques. Je veux les arroseurs automatiques. Pas des notes secrètes, merde. Je vais avoir l'inventaire qui va être obstrué par des notes secrètes. Ouin bout. Je vais devenir fou. Oh! Voilà. Eh, les chauves-souris ici ont pas le même aspect. Elles sont pas sombres, elles sont plus costauds. Elle a réussi à me taper avant de mourir. Bonjour Erika! Ouais, joyeux 31 à toi, Erika, j'espère que tu vas bien. Ibi, ibi. C'est pas comme s'il était en... Oh, géode de lave. C'est pas comme si le géatineux de lave était en... sur la place centrale. Ya, je ne pouvais que l'affronter. Merde, il y en a une deuxième. Ah! Faudra que je dope Samantha là parce qu'elle a plus d'énergie la pauvre. Wouh! Barrer, mais je ne refuse pas le combat. Aïe. C'est quoi ça? Oula, il m'a jeté un mauvais sort, le machin. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Oula, il y a des gugus marabouts maintenant. Des gugushes marabouts. Des gugushes marabouts. Vite, faut qu'elle se dope, la malheureuse. Allez, vas-y, dope-toi. Dopage. Ouais, encore un peu. Allez, c'est pas gâché, c'est bien. Je gère bien, franchement. Les champignons communs pour la mine, ça le fait. Hein. Même si proche de la fin, là, je crois que c'est il y a 120 sous-sols. Oula, où il se déplace rapidement, lui. Ah, il y a du matos, c'est intéressant. Petit pain étrange. Ah oui. Merde, j'ai plus de place. Ha ha! C'est ballot. Ah, j'ai une petite bombe à faire péter. Pourquoi pas? Voilà. Va bien dessus, malheureux. Va. Ah non, il... Oh! Il a résisté à l'explosion!
Il a résisté à l'explosion, j'hallucine. Ah, c'est intriguant. Mon dieu, il se passe quelque chose. Oh, Poupon qui émettait. Tiens, j'ai même pas vu la notification, l'annonce. Merci, Poupon. Merci d'avoir pensé à moi. J'espère que ton direct s'est bien passé. Je suis curieux, tu étais sur quoi? Message de fin 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Haut Poupon 29. C'est ça. Ah, je peux manger la gueule blanche. Sérieux? C'est... c'est troublant comme... comme X-Billionze. Oh, j'ai le niveau 85, le sous-sol 85, pardon. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Merde. Ah, j'ai merdé mon coup envers la chauve-souris. Oh punaise, les créatures sont coriaces à ce sous-sol. On voit que je suis proche du fond. Je sens qu'au fond, il va y avoir un boss, un dragon, je sais pas quoi. Enfin, un dragon, c'est quand même fort dans le Stardew Valley. Peut-être pas, mais... je sais plus. Enfin, oui, je risque de déranger Olive qui tue, mais... te dérange pas pour si peu, hein. Mais à l'occasion, si t'es proche de ton clavier, Olive... savoir, Stardew Valley, toi, tu l'as fini? S'il y a une fin, d'ailleurs. Que je sais que t'es à l'aise avec le jeu, t'y avais pas mal joué dans ton coin. Merdoum. Je t'ai peut-être déjà posé la question précédemment, pardon. Je sais plus. Non, pardon, Funfan. Je pense pas que t'aies joué à Stardew Valley, Funfan. Mais Olive qui tue avait pas mal d'expérience vivant sur le jeu. Et je voulais savoir si Olive qui tue avait fini le jeu, en fait. C'était par curiosité, mais c'est pas grave. Non, pas encore fini, j'en suis loin, ça fait un moment que je l'ai pas repris. Ah, d'accord. D'accord. Bah merci Poupon pour le relais de chaîne. Oh, du minerai d'or, bien. Oh, seulement je pourrais avoir une 10e pépite, ça me ferait 2 lingots. Non, mais je crois que c'est par 5. Attendez, je réfléchis. Oui, la sève, j'en ai beaucoup. La sève, je peux m'en débarrasser. Ce qui me permet, ouais, d'avoir l'inventaire plein. Merde, il va être minuit. Ah non! Ah, puis il a plus d'énergie, il va être minuit, je vais te défoncer pour le lendemain. Vite. Ah, je fais du rap, je me suis fait piéger par l'horloge. Ah! L'échelle est là. L'échelle est là! Oui! J'ai atteint le 85e sous-sol, je crois. Et là, je vais découvrir à minuit qu'il se passe des choses dans le village. Quoique non, je passe dans la partie haute. Sur la partie haute, il n'y a quasiment rien. Papa.
Ah ouais. Oh là là. Où ce gangbang de nuit. Elle va pas récupérer toute son énergie, c'est pas possible. Oh, combat niveau 5. Choisir une profession, combattant ou éclaireur. Ah, c'est intéressant. Alors les combattants, toutes les attaques infligent 10% de dégâts supplémentaires. Éclaireur, les chances de coup critique augmentent de 50%. Éclaireur. Ça me plaît bien. Ah! J'ai vendu des mouches. J'ai vendu des mouches. Mince. Pff, n'importe quoi. Alors attends, les fameuses notes. Alors, encore que je me plains, j'en ai qu'une. Bon, c'est encore un doublon. En ce moment, ma vie se résume à trois mots. Sage, baron, dodo. Oula. Ouch. Oh, il est en or, le champignon rouge. C'est un champion. Ah, truc des cavernes, attends. Oui, 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 je vais la mettre dans le frigo, elle. Carotte des cavernes, algue blanche. Je vais en mettre une dans le frigo, mais... je sais pas ce que je vais en obtenir. Oula, il y a du courrier. Oula, oula, oula. Non, attendez, attendez. Alors, c'est combien le... Non. Ouais, c'est 5. Ah, c'est dommage. Et que je retourne à la mine et que je gagne du... Non, attendez. J'ai du butin de... Oui, je vais te lire Fun Fan, attends. Oh, et ça... Essence du vide, c'était pas pour le magicien, là, le sorcier du village? Je crois. Je crois que ça va lui plaire. Ah ouais, j'ai une assurance vie, le petit pain étrange. Incroyable, mais vrai. Emeraude, ouais, ce sera pour Gunter. Ah, mais là, j'ai déjà des pépites d'or. Trop bien. Trop bien. Les fragments d'os, ouais, je les range. Donc là, je te mets le champignon rouge. Là, je vais mettre la pierre qui est la... l'émeraude. Ok. Le courrier dit quoi? Ah bah tiens! C'est le sorcier. Ouais, Rasmodius. J'avais pas son nom. Alors, Rasmodius. Samantha, je suis à la recherche de l'art perdu de la divination de l'ombre. J'ai besoin d'un objet connu sous le nom de Essence du Vide. Apporte-le-moi et je te récompenserai. Elle est bien bonne. Elle est bien... Au moment où je fais le... Excellent. Message non. De Fun oui. Fan 1992. C'est pas plutôt race moquette. Oh. Non, c'est dans la maison communautaire, l'amitié, pour avoir son amitié. Donc c'est bien, je lui en donnais une et l'autre, je vais la mettre dans la maison communautaire. Comme ça, ce sera tout bénef. Oui, c'est quoi la matinée, la journée, je suis avec toi, la soirée, la nuit, je suis avec le baron et je dors après. Ah ouais, d'accord, tu fais les 3-8. 8 heures moi, 8 heures le baron, 8 heures dodo. Si je comprends bien. Ouh bah dis donc. Vous doudou. Oui c'est ça. Oh là là. Eh bé. Ah, soupir. Ah l'arrosoir. Merde. J'ai oublié d'arroser la gamelle du chien. Il va avoir soif le toutou. Oh, puis c'est un jour sans neige. Ouais, je vais peut-être faire entretien du terrain. Je vais aller. Je vais faire la maison communautaire là. Allez, on va changer un peu. Ça va changer de la mine. Attendez. On va varier les goûts, les couleurs. Tiens, ah oui, les lunettes cassées. Vas-y, va me recycler les lunettes cassées. Bah, s'il arrive à me pondre un lingot de fer, je serai ravi.
Oui, du coup, ça, le petit pain étrange, je vais le ranger. C'est pas ici que j'en aurais besoin, plutôt dans la mine. Alors, Gunter aussi. Gunter, enfin, le bibliothécaire. Attends, ça, il connaît. Ah oui, Gunter, oui, c'est ça, j'ai bien retenu son nom. Gunter, 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 Gunter. Ah, Gunter connaît pas. Enfin, attends, je vais en prendre un exemplaire. Je vais pas en prendre 50 non plus. Ah, émeraude, une émeraude. Là, j'ai quoi? Je vais d'abord faire Gunter. Ensuite, je vais revenir pour faire le truc communautaire. Et j'irai voir le sorcier dans la journée. Ok. Oui, je sais pas. Hein? Oh oui, le champignon violet, la vache. Il rapporte le champignon violet. Mmh. Ouais, là il y a les murs. J'ai trois trucs pour Gunter. On va aller voir le coût des livres aussi. Alors attends, essence du vide. Tac tac. Je vais aller voir Emily. Elle veut son. De la part de Clint le forgeron, elle veut son améthyste. Allez, que j'oublie pas. Oh le lapin nous. Et avec la houe, il n'y a pas des vers qui se battent en duel. Mmh. Oh, un crocus. Un crocus. C'est une crocus. Oui, c'est pas grave, c'est un choix et un plaisir. Oui, heureusement. Attendez, Emily, la bibliothèque, Emily, elle vit où, Emily? Si je peux entrer dans la baraque. Ah, deux allées des saules. Elle est toute proche. Elle est toute proche. Ah, Emily, où es-tu? Je sais pas si... Non, ça... C'est la maison de la blonde. Ah, c'est ça, sa machine à coudre. Placer un tissu ou un vêtement pouvant être teint sur la plaque à aiguille à machine à coudre et des matériaux dans la bobine pour commencer à coudre. Incroyable! Vous n'êtes pas assez proche de Minnie pour rentrer dans sa chambre. Merde, faut que j'allume votre cheminée. Fait froid, c'est l'hiver. Ah bah merde alors. Ah, les chapins de Noël. La bibliothèque. Non, il n'y a rien dans cette poubelle. Oh, Igmam des neiges. Merde, où est-ce qu'il est? Ah oui, il m'a vu. Tiens, t'as gagné un crocus. Merci, c'est génial. Ah oui, j'avais oublié les défis de machin. Les produits bio, bonjour, je voudrais une promotion à venir. Les gens supérieurs, c'est vous, un commerçant économe comme moi, pour trouver 25 légumes. 25 légumes top qualité. Attends, la top qualité, c'est quoi? C'est argent ou c'est or? Nettoyage de communauté. Linus dit, je me dis, il y a beaucoup de déchets dans l'eau, pourquoi pêcher? Non, bah j'ai tenté la quête de pierre. Le bio de pierre peut être pas mal. Parce que j'ai dû garder la qualité qu'ils souhaitent. Ah, Wisebot t'as fait une blague? Voici une blague coquine. Attends, je fais pause. Voici une blague coquine pour toi. Quelle est la différence entre un prisonnier et la tour Eiffel? La tour Eiffel est en acier alors que le prisonnier est en tôle. C'est pas mal. C'est pas mal. Faire un don au musée. Mmh.
Nyeh. Quelle est ma récompense? Quoi? Pierre chantant. Elle produit un son pur quand elle est frappée. Oh la vache, elle est pas petite. Alors attends, c'est quoi le bouquin? Attends, c'est comme ça? Le pêcheur acte 1. Quoi? Le pêcheur acte 1. Ted, Gorgi, comment attrapes-tu autant de poissons? Pour moi, ça prend une éternité. Gorgi répond. Tu dois décider de devenir un bon pêcheur. Avec le temps, ta compétence et ta vitesse de pêche s'amélioreront. Tex répond. Donc, tu dis que l'amélioration de mes compétences en matière de pêche me permettra de pêcher plus rapidement? Exactement. Un jour, tu apprendras peut-être même le secret de la création de tes propres flotteurs, améliorant encore plus ta maîtrise de pêche. Maintenant, va-t'en. Eh ben, dis donc. Ouf! Ah ouais, d'accord, les bouquins, ils sont là. Mystère des nains. Aujourd'hui, c'est lecture. Top qualité, c'est l'étoile violette. Ah, j'en ai qu'un. Ah, merci, Olive qui... Oh, il abuse. Qualité violette. Ah, oh, étoile violette. Encore or, je dis pas. Étoile violette, c'est abusé. C'est la fin du jeu. Bon, c'est pas grave. Mais merci, Olive qui tue. Les nains s'appellent eux-mêmes... pardon ? Smoluanu. Ce qui signifie peuple du ciel. Oh ! Un nom étrange pour un groupe qui vit sous terre, n'est-ce pas ? Un autre mystère des nains est la technologie de pointe qu'ils possèdent. Oh bah j'ai bien fait de rencontrer le nain dans la mine ! Dommage que je sache pas parler son langage. Des preuves à ce sujet m'ont amené, malgré les railleries de mes collègues, à proposer une nouvelle théorie. Je crois que les nains sont les vestiges d'une civilisation autrefois avancée dont le vaisseau spatial interplanétaire s'est écrasé sur cette planète il y a très longtemps de ça. Je suggère que ce vaisseau spatial nain s'est enfoncé profondément sous Terre. Et au fil du temps, les nains se sont adaptés à leur nouvel environnement souterrain. Mes collègues me demandent, pourquoi ne sont-ils pas remontés à la surface pour s'y installer? Leur ancienne planète avait peut-être une atmosphère plus épaisse qui les protégeait des radiations stellaires et qui ne pouvait tout simplement pas survivre à la lumière du soleil. Cela expliquerait pourquoi ils ne sortent que la nuit à la surface pour prendre ce dont ils ont besoin dans nos maisons. Monsieur Jasper, tiens, tiens, les nains sont sortis de nuit. Comme quoi je disais tout à l'heure, en revenant après minuit de la mine, en rentrant chez moi, j'allais voir des trucs. Je pourrais voir des nains. C'est énorme, c'est énorme. Attendez, je bois un coup parce qu'il y a beaucoup de lectures. Comme je viens de découvrir tous les bouquins, là. Alors, guide du maître brasseur. Ah, cher brasseur, c'est pour moi. La riche odeur de la levure flottant dans un grenier en cèdre. Les notes florales de houblon fraîchement coupées un soir d'hiver. Mais je m'éloigne du sujet. Vous êtes probablement plus intéressé par le côté pratique du brassage. Pour brasser, vous aurez besoin d'un tonneau. Je vous laisse le soin d'élaborer des plans de construction pour un tonneau. Les tonneaux peuvent être utilisés pour fabriquer plusieurs types de produits. Si des légumes sont placés à l'intérieur, le tonneau produira du jus. Intéressant. Le jus prend le moins de temps à produire. Si du blé est mis dans le tonneau, il produira de la bière. Du blé? Ah ouais? Moi je mets du houblon. D'accord. La bière met du temps à brasser, mais elle est très rentable. Placer du houblon dans un tonneau produira la bien-aimée bière blonde. C'est ce que je fais, moi. Je fais de la bière blonde, s'il vous plaît, monsieur. Placer des fruits dans le tonneau pour faire du vin. Voilà. Le vin le plus long à produire... Attends, le vin est plus long à produire, mais un vin fait à partir des meilleurs fruits vaut pas mal d'argent. Soyez patient avec votre tonneau. Vous saurez que la production est terminée quand il est parfaitement immobile. Et buvez avec modération, sinon vous le regretterez. C'est vrai. Ça tombe bien, 31 décembre. C'est un bon conseil. C'est exact. Une étude sur le taux de formation des diamants. Après des années de recherche dans les mines, je pense avoir appris quelque chose sur le taux de formation des diamants. Mes recherches portaient uniquement sur les pierres éparpillées autour des mines, celles cassées à la pioche. Le taux de formation des minéraux provenant d'autres sources nécessite des recherches supplémentaires. Les diamants ne semblent se former qu'au niveau de la mine 50 ou au-delà. Au niveau 50, je suis déjà largement, je suis au 85. Environ une pierre sur 500 contient du diamant. Au-delà du niveau 50, le taux de formation de diamants semble augmenter d'environ 0,00 par niveau. C'est bien une gemme assez rare, monsieur Jasper.
Alors, les aventures du roi de la prairie. Le jeu vidéo à grand succès. Ah bah, c'est le jeu de Abigail, là, je sais plus son prénom. Le saviez-vous? Quiconque termine les aventures du roi de la prairie est automatiquement inscrit à un tirage au sort pour emporter un prix spécial. Le saviez-vous? Le développeur a déclaré que le protagoniste est basé sur une personne réelle, un véritable cow-boy, héros d'une île verdoyante de la mer des gemmes. C'est trop drôle. La vache, faut finir le jeu du... de la miss pour gagner. Oh là là. C'est... mais il est dur le jeu. Ah, peut-être que j'essaie de m'y refrotter... je sais pas quand. Shiva est superbe, mais chacun a ses préférences. Pardon. Ah oui, non, pardon, tu échanges avec Wisebot. T'as bien raison. Le secret du fruit étalé. Ah oui, c'est l'étoile mauve. Depuis des milliers d'années, hors de prix d'ailleurs, les mystérieux pouvoirs du fruit étoilé intriguent les gens, mais personne ne sait d'où il vient. Le professeur R.J. Cutler, chercheur en pointe sur les fruits étranges, en dit la chose suivante. Je vais lui faire une voix allemande. Nous avons découvert des traces génétiques sur des météorites qui ressemblent beaucoup à celles du fruit étoilé, mais il n'existe pas de lien prouvé. Peu importe d'où ils viennent, on dit que ce fruit particulier est étrangement délicieux, et certains prétendent même qu'il confère un pouvoir spécial à ceux qui en mangent. Ah, on va essayer, mais ça coûte cher. Épouvantail. Une fois que vous commencez à faire pousser beaucoup de récoltes sur votre ferme, vous pouvez vous attendre à voir des corbeaux. Le matin, vous découvrirez peut-être qu'un corbeau a fait de votre dur travail son petit déjeuner. Une bonne façon d'empêcher ces fichus corbeaux de manger vos récoltes consiste à installer des épouvantails à proximité de vos récoltes. Sachez que la portée des épouvantails est limitée. Vous devez donc en utiliser plusieurs si votre ferme est grande. Les épouvantails conservent la trace du nombre de corbeaux qui font fuir. Vous pouvez utiliser cette information pour savoir si vos épouvantails se trouvent au bon endroit. Les épouvantails de collection ne sont là que pour faire joli. Ils fonctionnent exactement comme le modèle standard. Ok, il y en a 8, hein, je m'en souviens, à collectionner. Un truc de fou. Un vieux journal du fermier. Je suis ici depuis un an maintenant et j'ai commencé à me faire des amis avec les habitants du village. C'est génial! Ils m'envoient même des cadeaux et des recettes de famille secrète. C'est vraiment très utile. Oui, ça vaut le coup de copiner avec tout le monde. Un vieux journal du fermier. Ah oui, il faut que je fasse de la bouffe pour Linus. Un plat sophistiqué, il va apprécier. Un vieux journal du fermier. Je suis ici depuis un an maintenant et j'ai commencé à me faire des amis avec les habitants du village. C'est génial! Merde, mais j'ai lu le même bouquin, oh le con! quelle est la profondeur des mines? De nombreux. Bah, 120 niveaux. Comment ça, des mines? Il y en a plusieurs? Non, il dit des mines, les 120 niveaux. De nombreux explorateurs de Stardew Valley se sont penchés sur la question au fil des ans. La vérité est que personne ne sait vraiment. Ou du moins, ils gardent cette info secrète. Malheureusement, beaucoup de ceux qui s'aventurent au fond des mines ne reviennent jamais. Toutefois, certains courageux aventuriers se sont aventurés... Toutefois, certains courageux aventuriers se sont enfoncés profondément dans les mines et ont établi des rapports intéressants en remontant à la surface. Apparemment, il y a 3 zones distinctes dans les mines, chacune comportant des monstres et des trésors uniques. Certains aventuriers parlent de lacs souterrains gigantesques et d'étranges créatures, mais rien de tout cela n'a été prouvé. Effectivement. Eh ben, dis donc. Alors, attends, il est midi, j'ai dit le sorcier et la maison communautaire. Tiens, comme je suis proche de la plage, je vais aller voir si la mère a pas offert des cadeaux. Ah. Il y a peut-être des choses merveilleuses. Ah bah, il y a déjà 3 vers qui se battent en duel. Bris de vers. Ah oui. C'est bizarre comme cadeau. Bris de verre, c'est un truc à recycler. Oh là 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 là. Ah merde! Inventaire plein. Ah! Je ne crois pas. Bon bah tant pis. Apparemment, j'ai récolté les plus beaux coraux, donc c'est pas plus mal. Et là, je peux pas non plus. Dommage. Celui-là non plus. Ah, c'était un de qualité. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais ranger ça dans les coffres. Je vais préparer la maison communautaire. Je vais d'abord aller voir le sorcier.
Ah, salut toi. Attends, que je prenne rien en main parce qu'il va croire que je lui fais un cadeau. Sam essaie de faire un kickflip. Eh ben dis donc. Ah, Emily, elle est pas disponible dans sa baraque tant que je suis là. Comme j'ai son améthyste. Ah, te v'là toi. Oui, c'est ma pierre précieuse préférée, je l'adore. C'est un cadeau de Clint. Oui, Clint. Elle est magnifique, je te remercie. Donne un bisou. Ouh, je crois que c'est loupé pour Clint. Elle réagit pas comme... Bon, bref. Au moins, la quête est honorée. Hein. Ah, c'est pas facile d'être entremetteur, je vous le dis, moi. Ah mon dieu. Tac. Oh, excellent, je viens de trouver un autre bouquin. Bon, j'irai à la bibliothèque dans une autre fois, hein, parce que je vous ai lu tellement de bouquins. La prochaine lecture, je vous la referai à l'hiver suivant. Alors, tiens. Ah, vous en avez trouvé. Vous avez gagné ma gratitude et une récompense de 1000 pièces d'or. Disparaît maintenant. Oh, 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 oh. Bon, ça va, il paie bien. Tiens, vas-y voir d'ailleurs les quêtes que je valide. Un réactif noir. Ah oui, voilà. Le sorcier vous donne des cendres d'animaux de rapporter une essence du vide. Un besoin pour un sort de magie noire. Alors, les prêts, produits bio de pierre. Et bah, prout. Prout, prout, prout. Oui. En plus, pour les mettre dans la caisse vide de la boutique de pierre, la vache. Faut assurer la livraison. C'est même pas lui qui vient les chercher. Eh ben, dis donc. Alors, je vais ranger ça. Merde, lui, il va avoir encore un truc qui m'intéresse. Et puis, je vais pas avoir la thune. Pointe de flèche. Oula. Poisson globe. Ah, ça rappelle Raft. Poisson globe. Gonfle comme un ballon lorsqu'il se sent menacé, oui. Tu m'étonnes. Oh, tulipe. Une méga bombe. Ouais. Ardillon. Assure votre prise permettant que la jauge de pêche reste accrochée à votre prise. Fonctionne mieux sur les poissons lents et faibles. Ah, sol en brique. Ah, pudding à la mousse de mer. Pudding ou prune. C'est hors de prix ces tarifs. Cerisier au printemps, oui. Graines de betterave. Ah. Plante d'intérieur. Ah, pas mal. Ah, lui aussi, éventail de collection. Ouais, quête de 8. Grain de café. Oh! Printemps ou été. Placer 5 grains dans un tonneau pour faire du café. Ah! Mais c'est hors de prix, merde. Ah! Intéressant, ça, le coût du café. Printemps ou été. Oh merde, j'ai plus de place. Remarque, je peux revenir. Je peux revenir le voir. Ouais, je vais revenir le voir. Je vais revenir le voir. Oh merde, oui. Et puis il y a ça à ramasser aussi. Bon, bah, j'aurais même pas le temps d'entretenir la ferme. À force de faire des allers-retours, la journée du vendredi, ça va être... la journée des rendez-vous, là, pour Samantha. Symboliquement parlant. Attendez, 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 attendez. Oui, ça fait vraiment bizarre, le truc. Oui, donc la pierre, je peux la ranger. Attendez, attendez, je réfléchis. Ah, c'est un artefact! D'accord. Magne des neiges, je sais que je peux. Ah oui, c'est pas un oursin de la même qualité. Oui, ça c'est un. D'accord. C'est un trésor. Cueillette d'hiver. Cueillette d'hiver, c'est le coffre blanc. C'est le coffre blanc l'hiver. Très bien. Coffre de la mer, c'est le coffre bleu.
Irma. Je vais ranger ça. Alors, attends, ça je le remets là, ouais. Attends, le cristal de décoration. Il faut que j'aille à la maison, bon machin. Il faut que j'aille revoir le gars qui vend des... Tiens, je vais me mettre là, c'est pas mal le cristal. Je vais aller revoir le gars qui vend... Encore que non, le mec c'est un escroc, je me dis. C'est moi ou j'ai entendu quelque chose courir dans la neige? C'était quoi le bruit que j'ai entendu dans le jeu? Je suis en train de me dire, le mec c'est un escroc peut-être. Parce que... Oh, du ou qualité or. Parce que peut-être que Pierre peut me vendre du... Mais non. Oh, mais arrête avec ton idée de manger le ou. Le grain de café, il est peut-être vendu moins cher par Pierre. Ah, je me tâte. Pierre est venu me voir au début de l'hiver en me disant l'année prochaine j'aurai une graine nouvelle par saison. Non, non, je vais garder mon fric parce que je risque de commettre une erreur. Au pire, le mec, je le revois l'année prochaine. Je suis pas... J'ai trouvé ma tunasse avec le... La mousse, là, la bière. Donc, non. Allez, je vais rapidement faire la maison communautaire parce que le crépuscule est en train de se poser. Oh, cool. Oh, je pense que la mousse sera prête dans le dernier tonneau quand je reviendrai le soir. Alors attendez. Non, blé, j'en ai pas beaucoup. Je me souviens que c'était un truc en nombre qu'il fallait. Non. Ah non, ça clignote plus. Ah, alors j'ai déjà eu l'essence du vide et en fait j'ai déjà honoré la requête. Ah oui, il fallait déposer un lingot d'or, un lingot de... Ouais, exact. Il manquait le lingot d'or dans le... Ah, mais... Mais le lingot d'or, ça va me faire un arroseur automatique. Non, je veux pas me séparer de mon lingot d'or. Non. Non, je préfère stratégiquement avoir plus d'arroseurs automatiques pour le prochain printemps. Tant pis pour la quête, ça elle attendra. Je veux vraiment faire rentabilité. Ah, le tissu. Alors le tissu, oui, je peux le déposer là-bas. C'est pas maintenant que je vais faire de la couture. Une larme gelée, il veut. Ok. Attends, il veut quoi d'autre? Alors attends, dans le coffre là... Ah! Oui, le bois dur! Exact! Il voulait plusieurs bois durs dans le communautaire là. Il voulait plusieurs bois durs. Donc... Ah! Oui, non, oui, non, le blé je peux pas, le blé je peux pas. Alors, vous voyez, hein, ça clignote en haut à droite. Quand j'ai un truc que la maison communautaire veut, la petite icône d'arbre bouge. Oui, bon, là, j'en ai pas assez. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué. Non, l'arbre gelée, j'ai déjà pris. L'arbre gelée, j'ai déjà pris. Bon, Non, bah, je crois que je peux... Non, je peux rien faire d'autre. Ah oui, attendez, il y a les coffres de saison. Attends, je passe peut-être un peu trop vite. Ah. Ah oui, il voulait des trucs qualité or. Ouais, c'est abusé. Printemps.
Non, printemps, ça lui plaît pas. Hiver non plus. Non, j'ai rien d'intéressant pour lui. Attendez, je retire le, la coiffe. Je crève de chaud. Je crève de chaud. Je vais... Ouais, bah je vais filer à la maison communautaire avec ça. Je vais filer à la maison. Oui, gentil chien. Gentil chien... Ah bah ça y est, la bière est prête. Ah, oh, puis il y a aussi les... Non, attendez, je vais à la maison communautaire maintenant parce que le temps d'y aller, de revenir... Au moins, ce sera fait. Je crois que j'ai même pas fait ma grotte aux champignons. Ah, les vers qui se battent en duel. Un bouquin, un bouquin. Oh, minerai de cuivre. C'est tout symbolique, mais c'est apprécié. Ah là 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 là. Plus bas la maison communautaire. Plus bas... elle est où? Elle est par là, je crois. Mmh. Papa, 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 papa. J'ai rien en provenance de la mer, donc on laisse tomber ce, ce truc. Ah, le salopard, il veut de la résine. Ouais, bah quand j'aurai toute ma rangée de tonneaux, il aura sa résine, le sorcier. Et bientôt, il aura du vin, ouais. Je vais bientôt me lancer dans le vin. Paquet du chef. Ah, merde, j'aurais pu apporter de la... Oh, ça se fera petit à petit. Oui, elle, colorant, Emily, je sais, c'est juste impossible ce qu'elle demande. C'est pas pour moi. Oui, ça, c'est le truc du fric, on n'en a pas. Alors j'aurais... Ah, wagonnet réparé. Ah, wagonnet réparé, c'est quelque chose. Ah, il faudrait que je trouve un quartz de feu. Et... Ah, wagonnet réparé. À échanger contre un arroseur automatique. Ça se discute finalement. Ah, l'aventure des wagonnets, à mon avis, ce sera au prochain épisode. Message de FunFan 1992. Oui. Oyez, oyez, citoyens, information de la plus grande importance. Ah bon? Wizbo, il m'a appris un secret sur le sage. Il aime les carottes. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup les carottes, salades de carottes. C'est vrai, en toute forme, râpée, en rondelles, j'adore. C'est vrai, j'aime beaucoup. Où est-ce que je dépose le tissu? Parce que le tissu, il m'a demandé. En passant par la Lorraine Canaillou. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine non, avec pas... mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Oui, pour la dernière fois de l'année. Oui, il reste 10 minutes. En passant oui, par ouais. La Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, c'est quoi le panneau? Oh! Mais j'ai rempli l'arbre! J'ai même pas fait gaffe! En passant par la Lorraine avec mes sabots. Oh, oh, oh. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Oh! En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine, en passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est une salle de classe pour les gosses. Waouh, trop bien. Merci, Olive, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, le Gemino? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous êtes esprit de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me sautes dessus? Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Tu veux du où? Tiens, cadeau.
Je sais pas, il me met à la fête. Il est bizarre ce Jumino. Attends, le tissu, je le mets où? J'ai pas compris. Le tissu, il avait réagi, mais je le mets où? J'ai loupé une boîte? Non, ça c'est truc du fric. Faut que j'arrête de penser au coffre-fort. Là, il manque un lingot d'or. Ouais, et là, il manque le quartz de feu. Oh, j'en reviens pas. Oui, c'est la fête. Il est tout fou, l'esprit de la forêt. Ça sent le sapin. Ah, c'est peut-être là. Oui, paquet artisan, mais oui. Mais oui. Miel, gelé, machin. Ah oui, miel, faudra que je fasse des ruches au printemps. Huile de truffe, pomme, abricot. Oui, ça c'est des arbres fruitiers. Ouais, bah ça viendra. C'est quoi donc la bouteille? C'est de l'huile de truffe. Oh la vache. Ouais, la récolte de qualité, tu vas l'attendre. Hein. Marisette. Ah, j'avais dit que je me renseignerais pour les animaux. Voilà, ça fait beaucoup de trucs en une seule fois. Bon allez, je me barre, il est 23h10 là. Il faut que je gère mes confitures et ma bière avant d'aller me pioter. Barrez-vous de là. You. C'est quoi ça? Ah. Oh, dimanche, c'est l'anniversaire du médecin. C'est quoi ça? Marché nocturne. Eh ben dis donc, va y en avoir pour la semaine suivante dans Stardew Valley. Bah, je termine ma semaine de Stardew Valley, hein, quand même, j'ai jusqu'au dimanche, et puis je vais déborder un peu de 18h, mais ça va. Bah, l'idéal, il faut que j'lance mes vidéos à 18h20. J'ai remarqué que ça, dans ma liste de lecture, ça se calait avec minuit, avec la surprise, et le passage à l'année suivante. Donc, oui, il se fait tard, merdoum, attendez. Je sais qu'il se fait tard. Et dans le village, il n'y a que des fêtards. fourneau à bois. Oui, mais je l'ai rangé. Ouais. Attends, parce que oui, il y a l'autre qui risque de m'enquiquiner. Non, je voulais pas manger. Ah, je voulais récolter mon. C'est pas grave, mais ça me bouffe. J'ai eu un geste malheureux. Alors, vite. Merde, il est minuit passé. Ah. Journée de fou. Journée de fou. Oui, c'est pas grave, je vendrai les confitures l'autre jour. Les mousses vont se faire. Ça peut attendre. Allez, hop. Dodo. Le pont est réparé. Eh ben. Le sacré Juminos. Oh oui! Oh, faut que je devienne brasseur! Ha ha ha! Oh, ça rapporte trop! Oh, il y avait une soucoupe volante! C'était quoi ce délire? Oh oui! Devenez brasseur dans Stardew Valley avec du bon blond! Ha ha! Votre fortune est faite! C'est énormissime! Hop, là je vends les confitures de la veille. Alors attends, là j'ai de l'or, là j'ai du... Ça bosse, incroyable, extraordinaire. Samantha est la plus forte. Non, c'est pas là que je range le bois dur. Oui, ça c'est un truc d'hiver. Je veux faire du quartz raffiné en attendant. Alors, dans le truc de nature, prout, je mets le bois dur. Je reviens vers le coffre hiver, je range le ouf. Je prends mon arrosoir pour arroser la gamelle du chien. Est-ce que je repose un autre fourneau à charbon? Non. Honnêtement, le deuxième, j'ai pas vraiment... On verra. Faut que tu bouges ton boule, Zeus. Non, bouge. Non, on va pas être copains si tu restes là. Merde, j'ai oublié la caverne à Astico. Non, pas du tout.
La caverne à champignons. Je l'ai pas faite hier. Tant pis, bien fait pour ma gueule. Je commence à oublier des trucs tellement qu'il y a de choses à faire. Bon, le chien, il a jarté. Merci. Allez, voilà, je peux l'arroser. Mon toutou, c'est bien. C'est ça. Va faire mumuse. Ça carbure. Extraordinaire. Ma fortune est faite. Il est fait dans le houblon. Ça, c'est bon. Tac. Alors, il neige. Eh ben, je vais aller à la mine, moi. Je vais déposer mon arrosoir et je vais aller à la mine. Je vais rapidement inspecter. Est-ce que les arbres ont donné quelque chose au bord de l'eau? Visiblement, non. Non, ils donnent pas. Oh! Il y en a des vers. Encore une statue de poulet. Oh, c'est pas vrai. Soupir. Non, là, les arbres donnent rien. On voit que c'est la morte saison. Ah, merdoum. Alors, attends. Truc de poulet. Je range l'immeuble de machin là-dedans. Ah, j'ai le temps de faire un autre minerai. Allons-y. Je dépose le minerai. Là aussi, je suis là. Je refais du charbon. Allez, tout de go, on fonce à la mine. Ah, j'ai pas fait un plat pour Linus. J'aimerais bien faire un plat rapido pour Linus. Vite. Champignon frit. Allez, je lui en fais un, il va adorer. Linus, faut que je passe par au-dessus. Pa-pa-pa-pa-la-pa-la-pa-pam. Ah, perdu Olive. Linus. Il doit être là, il y a son feu qui est allumé. Ah, salut mon grand. Tiens, c'est pour toi. C'est un cadeau formidable, merci. Apparemment, que ce soit un champignon ou ça, il adore tout. Donc bon, bah tant mieux. Je vais descendre dans la mine. Ouais. C'est la cloche qui m'a fait perdre. Oh ! Oh la vache ! Un caillou sur patte ayant des yeux. Oh la vache, 85. De l'or. On veut de l'or. Je veux des arroseurs automatiques. Je veux des arroseurs automatiques. La. Merde, j'ai quasiment plus de santé. Oula. Ah, elle est morte. Ah merde. Samantha. Réveille-toi. Ah, Linus. Tu avais perdu connaissance dans les mines. Tu as de la chance que je sois passé par là. Fais un peu plus attention la prochaine fois, d'accord? Waouh. Oh, on dirait que j'ai perdu 400 thunes et 3 objets de mon sac à dos. Oh non! Non! Coucou, Aeroster, j'ai perdu les champignons communs! Non! Quelle horreur! Non! Faut que je me refasse une réserve de champignons! Oh la violence! Ouais, je termine Stardew Valley là, ma semaine. Je fais le samedi, dimanche et puis.
Et puis... Bon, je vais considérer la journée comme perdue. Moi. Oh non! Comment je me suis fait avoir? Oh, la mouise. Ah, j'ai plus de réserve de champignons pour aller à la mine. C'est horrible. Ou alors, je fais un peu de gestion. Je devrais nettoyer tout ça à l'explosif, mais où sont mes ananas? Ah, surtout panique pas. Aïe, 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 aïe. Ah. Ouais, de toute façon, je peux rien faire comme je suis en PLS. Je peux aller dans la cuisine. Ouais, est-ce que je peux faire un... Eh oui, champignons frits, je peux plus. Vous savez quoi? Je vais offrir du pain au médecin demain pour son anniversaire. Énorme. Non, attendez, il y a le téléviseur avant. Ah oui, mais non, il n'y a pas de recette. Il n'y avait pas l'émission que je voulais. Ouais, là, j'en ferai rien. Oui. C'est fou, mais elle va rester au lit toute la journée. Oh merde, comment je me suis fait exploser dans la mine. Faut que je fasse gaffe maintenant. C'est la violence. Alors attends. Oh, je récolte des trucs. Bonsoir, Pecopati. Ah, tu m'apprends quelque chose. Ah, il faut que j'aille voir les aventuriers pour la guide pour récupérer... Ah, ils trouveraient mes affaires dans la grotte. Parce que j'ai quand même perdu une centaine de champignons communs. Donc c'est con, je carburerai ça, moi, dans la mine. Stratégiquement, ça la fout mal. Bah, je vais regarder. Merci pour la petite astuce. Eh oui, je carbure au commun, moi, ouais. Rendez-moi mes champignons communs. Je me demande comment va réagir le médecin dont c'est l'anniversaire aujourd'hui quand je vais lui offrir une baguette de pain. Mon dieu. Ah, attends, j'ai du courrier à lire, j'ai du minerai à gérer. Attendez. Que je fasse pas de bêtises. Je vais faire quartz raffiné. Alors, champignons. Là, je peux ranger le minerai. Attends, je vais offrir le cadeau d'anniversaire au médecin et je vais aller voir la guilde. Dès demain, une flotte de marchands itinérants que sera appelée Candide, le marché nocturne annuel. Le marché commence à 17h et restera au port tous les... Ah d'accord, à 17h, c'est en soirée. Restera au port pour les 3 prochains jours. Veuillez venir à la plage après 17h pour participer aux festivités. Il y aura un café gratos. Oh, sympa. D'accord, bon, c'est bien. La semaine prochaine, il va y avoir des trucs. Oh là là, énorme. Dans Stardew Valley, j'ai le pain, je vais aller voir la guilde, et puis Gunter, j'ai un artefact pour lui, j'ai deux artefacts pour lui, allons-y gaiement, ah, j'ai des, oh, Ignam des neiges, oh, il y a un crocus. Je ne refuse pas de récolter le crocus. Ah bah d'accord, il y a encore un... Oh bah, très bien. Comme je vais aller voir Gunter, le biface préhistorique, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Chalilalilala. Mais une fois qu'on a trouvé tous les... Oh, je pense que ça, de manière aléatoire, ça redonne les mêmes. Peut-être de l'intérêt au final d'acheter la poubelle pour avoir un pourcentage de valeur.
Parce que du coup, les artefacts, après, j'en fais plus rien une fois qu'ils sont tous exposés au musée. Mais ça doit valoir de la thunasse. Ça doit valoir de la thunasse. Mince, oui, attends, je suis chez le maire. Passer par la plage serait pas une mauvaise idée non plus. Il faut que je repasse tout en haut pour aller rejoindre la guide des aventuriers. Mais merci pour le conseil. Oui, je vais tester, merci. Alors. Ça fait toujours plaisir, nouvelle récompense. Oh, 9 graines de citrouille. Sympa. Le cadeau est apprécié. Attends, j'ai pas fouillé tes poubelles, toi. Message de Fun Fan 1992. Dans quelques minutes, nous n'aurons plus la possibilité d'écrire à part des smileys en 2023. En tant que modo, je remercie ceux qui font des dons, mes collègues les viewers, la Lorraine le Sage et Wisbo. Merci pour tous ces bons moments passés de rigolade et autres. Ouais. On se donne la promesse que pour cette nouvelle année, on en fait deux fois plus. Ah, c'est difficile de promettre d'en faire deux fois plus, mais je te rejoins dans l'idée. Oui, je te donne raison, Fanfan. Attends, le médecin... Merde, mais le médecin, il est à côté, je suis bête. J'ai suivi le pépé sur son fauteuil roulant, là. J'ai oublié son prénom, pardon, je parlais mal. Salut, mon gars, c'est pour... Merde, on peut même pas le rejoindre. Ah, si. J'ai même pas visité sa clinique, d'ailleurs. Attends. Tiens, cadeau. Oh, c'est pour mon anniversaire, merci. Je déteste dire ça, mais je gagne beaucoup plus d'argent pendant la saison de la grippe. Oh, on peut visiter. Vous n'êtes pas assez proche d'arriver pour pouvoir entrer dans sa chambre. Ah oui, il a fait une entrée de clinique. Ok. Je suis sûr que sa chambre, elle est complètement aseptisée. C'est quoi ce logo? L'insigne du vaisseau. Il est là pour réconforter ceux qui croient en Yoba. Ah oui, Yoba, c'est l'église chez le marchand. Attends, le vaisseau? Ne me dis pas qu'il y a un lien avec les nains et la religion du Yoba. Avec les extraterrestres qui seraient... Oh mon Dieu, si tout est lié, c'est énorme. Énorme. Les monstres connus sous le nom de jeunes calmar mettent en péril... Oh wow. Entre dans les... Non, je rentre plus dans les mines, non. Oh tiens, Pierre, il propose quoi? Je sais plus. Parce que comme c'est l'hiver... Gazon, gazon, sucre, farine, riz, huile, nanana, engrais de base, rétention, machin... Papier peint dégueulasse. J'ai pas du tout envie de mettre ça dans mon chez-moi. Revêtement sol encore à la limite. Ah! Et préparer le printemps. Cerisier. Un abricotier ou un oranger en été, pêcher en été, grenadier en automne, plomier en automne. Eh, si j'achetais un cerisier. Ouais, je claque mon fric et j'investis dans un cerisier. Que je pense que je peux planter maintenant et puis il poussera il poussera pour le printemps, non? Ou je dois attendre, je sais plus. La guide des guerriers, elle est à côté de la mine. Elle est à côté de la mine, la guide. Oh, attends, dans la maison communautaire, pause. Le sirop d'érable, tant que j'en ai sur moi. Il fallait le mettre dans une case de je sais plus quoi. Dans les produits artisanaux. Non, non, ça c'est la rivière, je peux pas, le fric, je peux... Ah, paquet du chef, oui, c'est ça. Voilà, je peux mettre un sirop d'érable. Bon, bingo, allez, ça c'est fait. Bah alors, oula, je comprenais plus, elle était bloquée. Elle avait une crampe, Samantha, là, ou quoi? guide des guerriers. Alors, je vais tester le bon conseil de psychopathé. Ah oui, j'ai mal lu le pseudo. Merci encore. Et puis ça fait... Je suis rentré qu'une seule fois, d'ailleurs, dans leur baraque, là, les guerriers. Oh!
Ah bah. Je peux retourner chez Gunter. J'ai retrouvé encore un truc. Ouais, on verra le pont. Je me laisse un peu dessus. Ah bah, je vais attendre un peu. Bon bah, si, on va aller voir le pont. Ah, attends, il y a encore un... Je fais mon vilain. Je garde le pont pour une prochaine fois. Ah, ça fait trop de trucs. Cet épisode est fou. Ça fait trop de trucs en une seule fois. Ah, service de récupération. Merci, bien vu. Bien vu, psychopathé. Merci. Comment dire? La facture est un peu élevée. Payer 5000 pour récupérer 127 champignons. Je vais bouder la mine pendant un petit bout de temps, moi. Hein, ça m'a bien refroidi. Oh la vache! Oh les stats de ma boule. Je me souviens que petit Seb... Oui, ça fait cher, tu m'étonnes. Petit Seb m'avait dit que oui, il aimait pas trop Stardew Valley à cause de ça. Il paraît que les objectifs atteints en patatache sont trop élevés à son goût. Oh la vache! Des esprits de poussière. Ah, crabe de roche. Eh, hey, il y a encore des créatures que je connais pas. Ouais, pour protéger la ville. J'ai le droit d'entrer derrière? Ah, ok. Modeste. Attends, je rentre dans la mine mais pour voir le nain. Je rentre dans la mine pour voir le nain. Oui, non, je sais pas parler le... Faudra peut-être que je demande au sorcier. Le sorcier aura peut-être un truc pour m'aider à parler le langage des nains. Vérifions rapidement la gare. Tant que je suis là. Non, y a rien. Alors, j'ai toujours pas retrouvé le panier de Linus. Et j'ai toujours pas trouvé le short violet du maire. Il y a des quêtes trop bizarres. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alex, ah c'est le... Oui. Hey, le match de gridball a lieu aujourd'hui. Ah oui, c'est le... C'est le sportif du village. Oh le lapinou. On a vu le lapinou. Ah, gestion de mousse. C'est apprécié. Hop là. Tac, 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 tac. Hop, vas-y. Tac, tac, nickel. Est-ce que j'entretiens rapidement la ferme? Oh non, j'ai déjà des trucs à ranger. Attendez, attendez, attendez. J'ai des trucs de... ça, c'est de l'hiver. Ah oui, il y a Gunter. J'aurais pu lui donner ça, mais je repasserai une autre fois. Alors ça, c'est de l'automne. La vache, l'automne, j'ai des trucs. Hein. Sympa. Le prochain automne, je vais en avoir des choses à faire. C'est pas désagréable. Le truc à Gunter. Merde, j'ai pas rangé mon houblon. J'ai pas rangé mon houblon. J'ai pas rangé mon houblon. Le cerisier pour le printemps. Ouais. Oh non, je ferais peut-être bien le mettre maintenant, le cerisier. Ouais, je vais planter le cerisier. Je pense pas que j'ai un risque.
Houblon. Ici, le houblon. Je pense que j'ai fait la gamelle du chien. Oui. Et je vérifie les champignons, on sait jamais. Je les ai faits. Alors, plantation du cerisier. Je peux le mettre là? Eh ben, ce sera bien. Ce sera bien de mettre un grenadier d'un côté, un cerisier de l'autre. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Bon, bah voilà, je crois que je peux dire que j'ai fini la journée d'exploitation de la ferme. J'ai quasiment plus rien à faire. Voilà, hop, charbon. Les champignons communs, voilà, je les remets là. Je vais ranger les cailloux. Oh là là, j'en ai plus de 1000. Affolant. Mais attends, quand je suis là. Ouais, voilà, je remets là où. Nickel. Très très bien. Bon, bah voilà. Ouais, je vais attendre jusqu'à 20h le temps que ça carbure pour les trucs. Tac, ça c'est fait. Ah la vache, comment je me suis fait avoir dans la mine! Ah oui, il va 18h20. Bah tiens, c'est le moment de lancer la vidéo. Bon, ça va, j'aurai 5-10 minutes de retard. Le temps de faire tourner le truc. Donc, là, on va basculer dans le mode auto pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Ah merde, non, j'ai une chauve-souris. Non! Allez-vous, GG vendu. C'était bien, c'était Stardew Valley, ça a été... Ça a été intense, là. Ouais, 1200 pépettes de mousse. Ah là 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 là. On verra ça au prochain épisode. C'est très bien. C'était la magie de Stardew Valley. Ah là là, ça me fait bizarre. Alors déjà, à vous toutes et toutes, je vous souhaite un bon 31. Un bon réveillon. Merde. Encore une victoire de canard. C'était pas la PS3, c'était PC, c'est pas grave, j'ai oublié de changer. On va basculer en programme spécial donc de la Saint-Sylvestre. Alors, que je me loupe pas, parce que j'ai des trucs spéciaux à faire. C'est-à-dire que je vais changer mes annonces